nous, en tant que chrétiens, nous sonnons l'alarme pour dire aux sœurs, c'est tellement malheureux comment l'Occident a influencé non seulement la jeunesse kenyenne, mais la jeunesse africaine. Nos sœurs ont un problème de manque d'estime personnelle. Elles ont un problème de manque d'estime personnelle, un problème de déficience émotionnelle, un problème d'insécurité émotionnelle ou sentimentale. Mes frères et sœurs, imaginez-vous un frère en Christ en train de porter une perruque qui le fait ressembler à un Français d'origine blanche ou à un Irlandais. Et c'est des choses que nous allons développer ici. Donc, je vais passer la parole à Comfort. Bonsoir, chère sœur. Ce sujet est assez important parce que la parole de Dieu nous a dit que nos cheveux, c'est une gloire. Donc, nous devons en prendre soin, nous devons en être fiers. Mais de nos jours, nos chères sœurs décident de porter des cheveux d'autrui au lieu d'utiliser ce que le Seigneur a donné naturellement. Donc, ici, nous avons les conséquences de ce que ce tissage cause à long terme. Il vous arrache des cheveux et puis vous vous retrouvez avec des maladies, des asticots sur la tête parce que vous voulez ressembler à quelqu'un d'autre et vous n'êtes pas fier de ce que Dieu a fait de vous. Donc, vous avez le cas des stars du monde que certaines sœurs ont tendance à toujours apprécier. Donc, sous ces tissages, voici ce qui se cache. On voit une femme bien habillée, maquillée, avec de longs cheveux lisses, sans savoir que sous ses cheveux se cache autre chose. Donc voilà, Naomi Campbell, à force de mettre des tissages, se retrouve sans cheveux. Ici, nous avons le cas d'une autre dame aussi qui se retrouve avec des cheveux arrachés à cause de mettre des tissages et se faire tresser à la mèche. Voici ce que ça cause. Et je crois que le nom de cette maladie est alopecia. Donc, vous vous retrouvez avec des cheveux arrachés à cause de la force avec laquelle on vous pose des tissages ou alors on vous fait des tresses. Et il y en a, quand ils décident de les mettre sur la tête, ils font des mois avec. Donc, ça produit de la moisissure à l'intérieur à cause de l'humidité. Cette humidité-là, c'est tout ça qui permet que des bactéries s'installent et vous arrache les cheveux. Et en passant Comfort, parlant de bactéries, ça me rappelle encore ce verset d'Ésaïe chapitre 3, qui est une malédiction, en fait c'est la malédiction. Et pourquoi cette malédiction? Regardez au verset 16, Ésaïe chapitre 3, verset 16, l'Éternel dit, « Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles leurs pieds. » Et voilà le sort, la punition qui est réservée aux femmes rebelles à Dieu et insoumises à sa parole. Comme ces femmes qui enseignent sur YouTube, vous les voyez, elles ont des vidéos, qui enseignent, elles vous enseignent, mais elles ne savent rien de la piété, de ce que Dieu attend. Elles enseignent, elles ont la Bible, mais des perruques, des faux cheveux, qui leur font ressembler à des momies ou à des démons. Ce n'est pas par hasard que, avec le cas de la jeune Kenyenne, les cheveux soient venus d'un cadavre. Et parlons donc de ce verset qui est une malédiction. Et vraiment, mes frères et sœurs, surtout les sœurs, nous vous mettons en garde. La sainteté d'une femme est d'un très grand prix devant Dieu. Et ne suivez pas toutes ces femmes-là qui sont rebelles à la parole de Dieu, insoumises. Vous les voyez faire des vidéos, faire des enseignements bibliques, alors que la Bible, en passant, interdit à la femme d'enseigner la parole de Dieu. Et quand vous les voyez enseigner la parole de Dieu, elles ont des mises de prostituées, elles ressemblent à des démons ou à des momies. Et Comfort, il y a un détail dans ce verset. La punition qui continue, lisez du verset 16 au verset 24. Mais ce qui est intéressant, et par rapport à ce sujet, c'est que, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, au lieu de large manteau, un sac étroit, etc. En fait, une marque flétrissante au lieu de beauté.